En plus, on a eu, pour une raison d'horaire, on a fait donc le voyage, c'est-à-dire Fjordesh à Kureri en bus. Donc on a pu s'arrêter, voir les geysers et les sources thermales. Et moi qui adore les roches, donc je ne sais pas si je dois le dire, mais j'ai pris quelques cailloux avec du soufre de chez vous et je les ramène à Paris. Tu ressens une, il y a un peu, il y a deux âges un peu dans le groupe, quoi. Enfin c'est leur analyse, hein, c'est trois âges. Il y a des très très vieux qui sont un peu nos pères spirituels de la musique klezmer. Il y a les gens au milieu, moi, et puis il y a les petits jeunes comme Guillaume, comme Mathias, comme Philippe aussi. On voulait faire du kayak. Et on n'a pas pu faire de kayak parce que il manque un peu de... Ouais. Ils ne savent pas nager. Les plus jeunes ne savent pas nager. Les plus vieux ne peuvent pas monter en kayak parce qu'ils ramassent des cailloux. Ils sont très lourds. Donc c'est horrible. Et nous, avec Mathias, enfin surtout moi, j'aurais bien fait du kayak. J'aurais bien fait du kayak. L'année prochaine ? Ouais, on reviendra. Ouais. Oui, le débat. Thank you.